Alors bonjour à tous et à toutes, c'est l'élevage de Gauthier. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur la nouvelle des lapins un peu, et aussi il y avait une personne qui m'avait demandé de montrer une vue d'ensemble de mes clapiers, voilà. Donc là nous avons une lapine qui va très bien, donc elle a une mangeoire automatique. Voilà. Donc j'espère que la qualité du son est meilleure qu'à... Là, nous avons une autre femelle qui est juste en bas, voilà, en dessous. Et voilà, donc elle est bien belle aussi. Elle a des mangeoires normales, des auges en béton, voilà. Donc si elle continue à bien grandir, elle va au championnat, voilà. Donc je serai assez content, c'est vrai. Donc là, un petit coq. Qui rentre dans sa cage. Non, une petite poule. Voilà. Là, nous passons... C'est le pied d'oreille. C'est pas une grosse réussite pour lui. C'est un montre-nous qui détache. Devient un peu agressif. Parce que bon, là, c'est l'âge un peu où il commence à prendre la maturité. Comme les femelles, certaines ont leur première chaleur. Voilà. Et là, nous avons un autre mâle. Voilà. Donc, c'est le frère du mâle que j'aime vous montrer avant. Voilà. Donc lui aussi, peut-être pour le championnat, je sais pas, il faut voir comment les bêtes grandissent, quoi, l'évolution qu'elles ont. Voilà. Tiens, montre-nous un peu toi tes tâches. Voilà. On voit un bon mâle, bien chargé. Ça, c'est des bons mâles de reproduction, c'est le top ça. Voilà. S'il manque dans mon élevage, moi par contre, c'est un peu de gabarit là. Il faudrait que les lapins atteignent plus facilement 7 kg. Là, les 4 lapins dont je viens vous parler sont dans ces 4 clapiers. Ce sont des cases de 1 mètre sur 1 mètre. Donc ça sera mes cases de reproduction avec les femelles. Que les femelles. Donc je vais bientôt changer les mâles de cases. Voilà, mais bon, pas maintenant, ça sert à rien. Maintenant, on va passer aux autres clapiers. Donc là, nous avons 4 autres clapiers en béton. Toujours pareil. Et là-bas, les 6 autres. Plus la caisse avec la femelle. Voilà. Donc la femelle... Elle avait un abcès, elle, et elle avait l'œil qui pleurait, donc j'ai tout soigné, tout va bien. Je vais la mettre au mâle cette semaine ou la semaine prochaine, voilà, qu'on recommence un peu la reproduction. Quand il fait un peu plus frais. Donc maintenant, on va passer à cette femelle. Fait pas mal de portées, enfin elle toute seule, parce que j'ai toujours eu du mal, sinon l'autre peut-être 6-7 hein, déjà. Donc quelle très bonne lapine, je sais pas si vous vous souvenez, très bon résultat en exposition on avait fait. Voilà, donc on va passer au mâle reproducteur. Ah, donc là un mâle reproducteur, très bon mâle, c'est le père de tous les jeunes que je vous ai montré avant, et des deux autres jeunes que je vais vous montrer là de suite, voilà. Très très bon mâle, lui aussi continue cette saison. Voilà. Voilà. Bien taché, bien chargé. Là il commence à muer un peu ce mâle. Voilà. Une autre femelle, donc c'est la fille du mâle que j'ai montré et de la première femelle dans la cage en bois qui avait l'abcès. Donc très bonne femelle, elle va peut-être aller au championnat, je ne sais pas, à voir avec l'évolution. Donc très très bonne lapine. Je suis très content, elle grandit très bien avec sa sœur, là, ça grandit très bien. Bien taché aussi, enfin, une tache un peu regrettable sur l'arrière gauche, et sinon l'autre côté, superbe. Voilà. Donc on va passer à sa sœur. Et alors elle c'est la sœur, très content aussi, très très bonne lapine. Donc je la mets pas au mal parce qu'elle va au championnat, c'est sûr.
au championnat, bah, elle sera, viendrait juste de sevrer les lapro. Et il y a des risques qu'elle maigrisse un petit peu, puisque avec les lapro, c'est un peu usant. Voilà. Donc une très bonne femelle, elle va au championnat. C'est quasiment sûr. Très très bonne lapine. Elle devient un peu agressive parce que je pense qu'elle a ses premières chaleurs. Non, super lapine. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir bah, tout l'élevage de papillons va très bien. Et que là, la reproduction va bientôt commencer. Et que les expositions aussi vont bientôt commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était l'élevage de Gauthier. Et surtout, dites-moi si le son ça va mieux. Enfin, personnellement, pour chaque personne, voilà. Si le son ça va mieux et que vous avez une meilleure qualité. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, c'était l'élevage de Gauthier. Au revoir.